Bonjour, bonjour. Bonjour, Cécile. En tant que personne spirituelle, vous devez faire très attention. Vous devez faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui peut te conseiller. Ce n'est pas tout le monde qui peut ouvrir sa bouche pour te parler. C'est pour ça que vous voyez, je refuse beaucoup d'interactions. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de s'asseoir devant moi. Et parler. Vous devez avoir confiance en ce que vous avez reçu. La lecture de cartes, c'est 20 000. Et quand quelqu'un vient à côté de toi parler, regarde toujours ses fruits. Parce que croyez-moi, on est dans une période où les esprits, tout le monde prophétise. Tout le monde pense qu'il connaît. Bonjour Guy. Tout le monde viendra à toi en pensant qu'il a le conseil. Je n'aime pas les conseils. C'est pour ça que je vous demande de me payer pour que je vous conseille. Je mets ma vidéo, tu écoutes. Si tu penses que ce qu'il dit, ça te parle, tu me payes. Avant que quelqu'un se place devant toi pour parler, où sont ses fruits? Internet est rempli de personnes qui pensent qu'elles connaissent. Et il y a des personnes qui viennent te parler, ça te coûte ton onction. Ça te coûte. Bonjour, darling. Tout esprit qui dit qu'il est esprit, hein, il fait du bien. La Bible dit que Jésus est venu. Il allait de ville en ville. Il faisait du bien. Il avait les œuvres de charité. Il nourrissait 5000 personnes. Avant que quelqu'un vienne te parler, peut-être depuis 3 ans, tu as ton. Chaque mois, tu fais tes œuvres caritatives. Voilà, tu as ton petit groupe de prière.
a sonné déjà deux, trois personnes. Oh. Avant qu'on ne me connaisse comme on ne me connaît là. Et comme ça va encore augmenter. J'ai dit à mes followers dans mes groupes que ça fait peut-être 6 mois. Quand j'étais encore disponible pour vous là, vous êtes en train de crâner, n'est-ce pas? Il dit que si vous ne m'entendez pas devant le téléphone comme je suis là, vraiment, je vois pas ce que vous faites d'autre. Il leur a dit que profitez de moi maintenant. Parce qu'il y aura un moment où même les lavages là, je vais seulement mettre ma main sur un seau de personne à laver. Je dépose la main, ça m'a quitté tout ça. Vraiment. Je suis devant le téléphone, c'est toujours comme ça que je parle. Donc vous devez mettre peut-être les écouteurs pour m'écouter. Tu as ton groupe, tu as commencé un truc. Voilà, tu pars dans les orphelinats, tu fais deux, trois trucs. Quelqu'un va venir. Hein? Commencez à parler. Te décourager. Et faites attention. Le son dérange. Supportez seulement. De vous tous, la personne entend. Je n'ai pas touché au téléphone. Maintenant, vous dites que c'est bon. Connexion marche, pardon. La personne vient te voir. Comment ça te dit qu'il est dans ça depuis 10 ans? Il connaît comment te guider. Il connaît. Le son pas, je n'ai même pas touché. Voilà mes mains, je n'ai même pas touché. Juste ça dérange autre chose que... Parce que TikTok alors, TikTok ne donne même pas. TikTok ne prend même pas. Mieux une petite bougie qui s'allume tous les jours au lieu d'une grande bougie qui n'a pas de mèche. Je répète, vaut mieux avoir une petite bougie que tu allumes tous les jours. Un peu, un peu. Au lieu d'une grande bougie qui n'a pas de mèche. Vous suivez le sens de mon proverbe? Mieux vaut avoir une petite bougie qui s'allume tous les jours, au lieu d'avoir une grande bougie qui n'a pas de mèche. Ça, c'est un proverbe. Mettez ça dans le groupe publication. Avec la multitude d'esprits qu'il y a aujourd'hui en ligne, première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est vous dire d'attendre le grand. Jésus est arrivé et il nous parlait toujours de semence. Le grain de sénévé. Le grain de sénévé. Jésus disait toujours que l'arbre que tu vois là,
ça abrite les gens aujourd'hui. On vient, on se met en bas quand il fait chaud. On vient, on prend les fruits, on mange. C'était d'abord une petite, comme le grain de riz. C'est nevé, petit. Prends le riz, coupe en trois. Un grain de riz, casse en trois. Ce que tu as dans la main là, le grain de sénévé comme ça. Mais dans le sénévé, il y a le message qui va grandir et devenir. C'est ça vos problèmes. Pardon? Oui, pardon, ça fait le bruit. Il a plu la nuit, tu vas encore arroser quoi? Hein? Toi, tu prends ton travail trop au sérieux? La pluie est tombée la nuit, non? Hein? Mais regarde le sol là-bas. Voilà la pluie qui est tombée. Ah bon? Non, c'est bon. Ok, merci. Le jardinier. Il faut montrer qu'il travaille trop. Voilà. Il veut purifier quoi? Pardon, laissez-moi. Vous voyez, ce que je vous dis, vous aurez besoin de ça. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sur ma page. J'ai vu que ma popularité est en train d'augmenter de telle façon que les gens prennent mes vidéos. Les vidéos sur les sirènes, là, alors c'était grave. J'ai envoyé une vidéo comme ça hier. Le gars il a pris ma vidéo, il l'a mis à côté de sa part. Où il cherche les vues avec mes vidéos. Moi, mon message là, ma bouche là, ça parle depuis longtemps. J'ouvre ma bouche depuis longtemps. Donc, beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés sur ma page. Et ça a déclenché quelque chose. Vous savez. Votre période de test va impliquer quoi? Des personnes X, Y, lambda. Qui a même sorti lambda là? Lambda, c'est quoi? Bon. Des personnes comme ça là vont venir en ligne prendre ce que j'ai dit. Fais comme ça là. Mettre encore devant vous. Et le jour là, tu vas tomber sur la vidéo. Tu as commencé à dire, c'est même vrai. Quelle page en ligne t'a dit que tu es une reine? Juste en passant, ceux qui commandent leur colis, ça n'arrive pas. C'est les attaques. Reine SN, tu te rappelles bien que tu avais d'abord failli donner ton argent à l'arnaqueur au départ. L'arnaqueur a été arrêté. Toute personne, je mettrai l'annonce plus tard dans la journée. Toute personne qui a été arnaquée. Contactez-moi avec vos preuves de paiement. J'ai exigé que cet homme-là rembourse. Donc, s'il y a n'importe combien d'argent que l'homme a pris, n'importe quel numéro, il va payer même ce que ce n'était pas lui qui avait pris. Je vous ai dit que l'arnaqueur, c'était quelqu'un de ma famille. C'était mon cousin. C'était mon cousin. Quand il a vécu chez moi, il a profité pour voir ce que je fais.
Et quand il est parti, reparti chez lui, j'ai vu qu'il était trop pressé pour quitter de ma maison. Tu vois, quand tu as ton petit cousin là, que bon, il vient chez toi en attendant de trouver son endroit, tout ça là. C'est comme ça qu'il a commencé l'arnaque. Donc il a fait ça pendant au moins 18 mois. Je ne savais pas. Ce n'est qu'en février qu'on a découvert que c'était. Parce qu'il vous parle souvent de famille. Il vous parle souvent de famille. Donc s'il y a quelqu'un ici là qui a été arnaqué, je vais mettre l'annonce tout à l'heure. Contactez-nous. Je sais que tu as payé avec nous. Écoute bien ce que je dis. Quand il parle, quelqu'un ne m'écoute pas, ça m'énerve. Il dit que tu as d'abord failli payer avec l'arnaqueur. Je n'ai pas dit que tu as payé avec l'arnaqueur. Ouvrez vos oreilles quand je parle. Écoutez deux fois, parlez une fois. Fabienne, si tu n'entends pas, tu pars. Ça se coupe depuis. Bon. Je vous disais que vous aurez... Comme ça se coupe là, il n'y a pas le plus. Je viens en face de... En face du... On a été construit la maison du fils du président en face là-bas. Donc, on n'a pas le choix. Il y a beaucoup d'oiseaux dans le jardin ici. Là. Ta petite semence que tu as mis dans la terre. Et les gens ont simplifié. Vous aurez des personnes qui ne font rien de leur vie. Qui vont venir simplifier les deux personnes que tu es en train d'aider depuis là. Vous comprenez? Le but de ta vie sur terre ou de la spiritualité, c'est de semer, de laisser ça grandir. Voilà un arbre en face de moi. Regardez. Voyons un peu, l'arbre c'était comment avant? Est-ce qu'on a mis ça en terre, c'était grand comme ça? Et ce qu'on a mis là aussi en tête, c'était grand. C'était
un noyau de fruits. Et il y a des noyaux qui sont très petits. Peut-être le noyau du manguier est peut-être encore visible. Mais il y a des noyaux qui sont infiniment petits. On a mis en terre. On a arrosé. Personne ne voyait au départ. Personne ne voyait. Personne ne voyait. Personne ne voyait. Regardez la petite fleur ici là. Make me water. Make me sway. Recevez les fleurs. Voilà. Quelqu'un va venir, il va te voir avec le noyau dans ta main. Il va commencer à dire. Ça n'a même rien donné. Laisse-moi planter ça dans la terre. Laisse-moi planter ça dans la terre. Merci, darling. Laisse-moi planter ça dans la terre. Allez, répétez avec moi. Laisse-moi planter ça dans la terre. Allez-y. Laisse-moi planter dans la terre. Tu mets en terre. Tu dois résister au vent, les fourmis, la sécheresse, l'impatience, l'opinion des gens. Les autres arbres qui sont déjà grands parce qu'on les a plantés 2 ans avant pour un. Mais lui, il est déjà grand. Oh, je suis toute petite ici. Je n'avais jamais imaginé que mon ministère pouvait grandir comme ça. Hein. Bon, je ne veux pas vous mentir. J'ai eu tellement d'échecs. Au moins 3 fois, j'ai fermé mes... Je me lève un matin comme ça, là. J'avais mon église. J'avais ouvert l'église. Hein. Ça a duré 18 mois. J'étais trop malade, les attaques. Un jour matin, je me suis levé, j'ai fermé. J'étais impatiente. Je ne comprenais pas le processus. Je reste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dieu me dit repars. Je vous ai demandé tout à l'heure que qui vous a déjà parlé de votre royauté? Je m'en vais partir dans les églises. Je m'assois. Le pasteur dit oui. Vous êtes le fils des rois. Vous êtes. Après, je vois comment ils nous font vivre une vie de souffrance. Je me disais toujours que ça, ce n'est pas. Je ne suis pas censé vivre comme ça, là. Je ne suis pas censé vivre comme ça. J'ai commencé à me dire si je suis une reine, fils de roi. Ça veut dire que je suis une princesse qui va devenir reine. Quels sont les atouts, les attributs d'une reine? Excusez-moi. Allô? Bonjour, bonjour maître. Oui. Oui. Oui, bien, dites-moi. Ils vont faire les négociations aujourd'hui. Mais... Oui, oui.
Je suis en direct. Donc je ne peux pas trop parler. Merci, à tout à l'heure. Dans mes méditations, j'ai compris pourquoi Jésus disait je suis le roi des rois. Parce qu'à côté de Jésus, Jésus ouvrait ta royauté. Jésus élevait ta royauté. Jésus, quand tu t'assois à côté de lui comme ça là, tu as fait un rêve qui n'est pas bien. Il faut. Et contacte-moi, je vais travailler sur toi. Mon direct n'est pas pour les rêves. Imagine quelqu'un reste à côté de Jésus. Tu le vois nourrir 5000 personnes. 5000. Tu quittes à côté de lui, tu repars encore dans ton ancienne vie. C'est pour ça que les personnes pouvaient, dès qu'ils tombaient sur Jésus, c'était pas difficile de le suivre. Parce qu'il réveillait quelque chose en toi que tu sentais que c'était là, mais tu ne... Je sais que ça vous est déjà arrivé. Tu grandis, tu vois comment ta famille biologique se comporte. Quelque part, tu sais que je ne suis pas... ça, c'est pas ma famille. This is not me. Non. This is not me. Parce que ton ADN a besoin d'être activé. Et l'esprit est plus puissant que le corps. C'est pour ça qu'à un moment, tu vas être exposé à ta famille spirituelle. Et quand tu les rencontres, c'est comme quand tu rencontres l'homme de ta vie. Ton corps vibre en jarre. Mais pourquoi je suis attiré par... Et c'est... Tu as eu beaucoup de fausses alertes. Fausse alerte. Tu arrives dans une église, tu dis oui, je vais servir, le pasteur te prend. Oui, si tu sais, dans l'église aussi, Dieu va te bénir. Tu fais. Après, tu te rends compte que non, c'est pas... Tu peux encore aller à une autre église. C'est pour ça que je n'aime pas quand vous me contactez en me disant, oh, les autres pasteurs ont abusé de moi, j'espère que toi... Je dis que pardon. Je ne veux rien de toi. Peut-être que tu es allé là-bas, on a pris ta dîme, après tu espérais que le pasteur était gentil avec toi. Je me mets ici sur la toile, je dis ce qu'on m'a donné comme message. Si tu comprends, c'est bien. Peu importe comment, mais les personnes qui sont censées m'écouter vont me localiser. Et ce sont des personnes qui sont en train d'être préparées depuis longtemps. Ce sont des personnes qui ont commencé à s'isoler déjà. Qui ont commencé. J'ai des personnes qui me contactent récemment, que depuis un an, je fais ça, je ne sais même pas pourquoi. Depuis le bain de sel, oui, ça fait 6 mois que j'ai commencé à mettre le sel dans mon bain, je ne sais même pas pourquoi. C'est maintenant qu'elle tombe sur vos vidéos. Maintenant, vous devez comprendre la spécificité de nos guides. Le guide de déblocage, c'est à partir de... Il y a pour 70 000, il y a pour 30 000, je pense, au Cameroun. Dans les autres pays, à cause des coûts. Parce qu'au Cameroun, les impôts ne sont pas comme au Gabon. Et le personnel pour payer, tout ça, les factures. Donc, c'est pour ça que vous voyez que les kits coûtent plus cher dans d'autres pays.
tout le monde a la paix. Mais ce n'est pas, parfois, ce n'est pas le temps. Parfois, ce n'est pas ta saison. Ton temps n'est pas arrivé. Il y en a parmi vous, ça fait 2 ans que tu es tombé sur mes vidéos, ça ne te parlait pas. Ça fait 6 mois que tu es tombé sur mes vidéos, ça ne te parlait pas. Mais depuis 2 semaines, tu ne sais pas pourquoi tu ne fais qu'écouter. Il y a une autre chose qui vous disqualifie aussi beaucoup, c'est l'arrogance. Il y a un esprit que les réseaux sociaux ont mis. Ne confondez pas la rigueur et l'arrogance. Ne confondez pas quand quelqu'un est strict et quand quelqu'un est arrogant. Les gens pensent que je suis très dure. Si j'étais molle, hein, avec tous les gens qui veulent m'attaquer en ligne, là, si j'étais soft, ceux qui ne font plus les vidéos. Mon esprit à la taille de 2 immeubles. Prenez le bâtiment Wiz Khalifa, là, ça a la taille. Mon esprit comme le roc. Il n'y a rien que tu peux faire. Et ce matin, j'étais en train de dire à mon mari que la chose qui m'a... Il y a cela 2 ans, je croyais que j'étais bien formée. Jusqu'à ce que je perde mon enfant l'année passée. J'ai sombré dans une période de fragilité. Et c'était la dernière case qu'il fallait. Quand je serai prête, je vais me mettre ici, là, je vais raconter tous les détails de la perte de l'enfant que j'ai eu. Quand le moment sera là, si ça ne vient pas, je ne parle pas. Et là, lui disait que je me dois. J'ai vu une vidéo un jour. Il y a un monsieur qui était aux États-Unis, il venait faire une conférence de presse là, à la Maison Blanche. Il arrive, il dit, bon voilà, les informations continuent, je reviens de l'hôpital, ma femme a eu un accident, elle a perdu son pied, notre enfant est mort. Et je crois qu'il n'a même pas d'abord dit ça, il a demandé que je revienne de l'hôpital, j'ai passé toute la nuit à l'hôpital. Et les journalistes se demandent que... Qu'est-ce qui s'est passé avec votre femme? Elle a eu l'accident. En questionnant encore plus, on voit que... Il devrait être au chevet de sa femme en train de pleurer. Mais, le voilà devant les journalistes en train de parler. Parce que vous n'avez pas compris. Je n'ai pas fait l'armée. Mais quand on te dit que tu es général d'armée dans le spirituel, c'est même encore plus lourd. C'est encore plus lourd. J'ai déjà façonné mes enfants. Mes filles comprennent. Je peux voyager pour 1 mois. Mes filles, donc on ne va même pas m'appeler pour me dire que l'enfant a fait que. Donc, je disais que quand je suis sortie de cette... Quand je regarde juste mes... Parce que son anniversaire de naissance arrive bientôt. C'est le 5 avril qu'il était né. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était Pâques de l'année passée. Il est né 2 jours avant le vendredi saint. Et j'ai passé 2 jours couché, je ne pouvais pas bouger. Et je me suis levé vendredi saint. Et la parole que le Seigneur m'avait dit, que je ressuscitais. Je me rappelle, je vais chercher la vidéo là. Je me rappelle le 7 avril de l'année passée.
J'ai fait une vidéo où j'avais un tissu blanc sur moi. C'était les draps de l'hôpital. J'ai pris les draps, j'ai couvert mon visage avec. Après, parce que quand on te fait la césarienne, normalement, tu dois rester couché d'abord pendant jusqu'à combien d'heures. Après, tu n'as pas descendu de ton lit, Donc, j'ai fait 48 heures. C'est comme si j'étais entre la vie et la mort. Et mon état de santé n'était pas stable. Donc, un coup, le docteur vient dire que ça va. Après, il vient dire que c'est critique. Après, il vient dire que ça va. Après, il dit que c'était comme ça. Là. Donc, quand je me suis levé après 48 heures, c'est comme si Dieu m'avait ressuscité. Et je vous avais dit que. Non, ne vous dérangez pas pour les condoléances. Ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de sa mort et tout ça. Ça m'a passé dans une autre dimension. Pour comprendre que les morts, qu'ils soient ton enfant ou ton parent, c'est toute une autre puissance là-bas. Donc, normalement, quand quelqu'un meurt, on doit te féliciter. On ne doit pas te donner. On ne doit pas dire les condoléances, non. Ok. Donc, dites-moi félicitations. Ok. Donc, quand je me suis relevé, le Seigneur me disait. Et je vous avais expliqué qu'il y avait le major des médecins qui s'occupait de moi. C'était un pasteur. Je ne connaissais même pas que c'était un pasteur d'église. Dès que je sors du bloc, il arrive le matin. Il s'assoit dans ma chambre. Il prend la parole. Il lit. Il prophétise sur moi. Donc, ça m'avait embrouillé même en fait. Merci Darlene, merci. Merci Darlene. Elle dit que tu as décidé d'être joyeuse. Ce que l'ennemi prévoit que c'est ta pire douleur, assois-toi. Regarde sous un autre angle. Même la beauté, je n'étais pas belle comme ça l'année passée. Personnellement, hein, moi je n'étais pas belle comme ça. Enfin, moi, mais. Le derrière que la femme m'a donné, maman, j'ai maintenant les fesses. Excusez-moi. Ok. Donc, quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, waouh. Les personnes choisies, vous avez dit que je serai devant, je vais tirer les gens. Être strict, ça veut dire que tu dois comprendre ce qu'on te dit. C'est un peu comme si tout le monde entier dit ouais. Tes guides te disent que félicitations. C'est un contraste, non? Et alors, tu choisis que je vais suivre ce que mes guides disent. Ça t'amène dans une autre dimension. Et c'est là que je lui disais ce matin que vraiment, je vois que je suis vraiment. Je suis arrivé à une dimension où je ne prends pas de chantage émotionnel. Oh, tu as échoué, tu as fait, tu t'es marié. Oh, tu as voyagé en Europe. Voilà, depuis que tu es en Europe, tu as quoi? Oh, tu as commencé la maison, tu n'as pas fini. Depuis que tu as fait 10 ans, tu n'as même pas un terrain. Peu importe ce qu'on dit contre vous. Ça ne vous définit pas. Florence, merci pour les félicitations. Tu dois prendre ce que l'ennemi utilise contre toi. Les flèches, ça devient des. Les flèches, ça devient des. Et les gens ne vont pas te comprendre. Mais comment tu peux être heureuse alors que... Oui, I am happy. I am happy. Écoutez beaucoup. Tout message que quelqu'un vient te donner qui est triste. Tout message que quelqu'un vient de donner qui est triste.
dis-lui que Mokotenio. Déjà que la société te donne trop de messages tristes tous les jours. Mais la télé, oh, les requins ont mangé le fil. Donc c'est maintenant que les requins voient le fil là. C'est maintenant que les requins voient le fil. Hein? Depuis des années là que c'est là. Ils ne voient pas quand les requins sont aveugles. Le monde sous-marin, hein? L'eau qui est dans, dans l'eau, tu vois comme l'eau est dense. C'est comme l'air dans l'eau. Ce qui fait que, un jour j'étais en train de, j'étais au bord de l'eau. En 2021, mon école était à côté d'un courant d'eau. Et c'est d'ailleurs là-bas que mes pouvoirs sont vraiment décuplés, on va dire comme ça. Et c'était très difficile d'attraper les poissons. Parfois tu restes comme ça, tu mets un truc. Jusqu'à tu crois que tu vas les attraper, je lançais parfois le pop-corn. J'attends qu'ils viennent pour que je les a... Non. Ils étaient rapides dans l'eau. Un jour, je m'assois, je regarde l'eau comme ça. Et les esprits ont commencé à m'enseigner sur leur univers dans l'eau. L'eau, pour eux, c'est comme l'air. De la même façon que tu te lèves, tu fais le 100 mètres. Comme Usain Bolt, en 9 secondes. Le poisson, là, il connaît tout. Toi, quand tu marches, là, non, tu connais que... Voilà, dans notre quartier, il y a la maison de Maté. Voilà Maja. Hein? Voilà la maison des Quinta. Voilà la maison des... Tous ces gens-là. Anita. Bintou. Dans le monde sous-marin. C'est pas parce que toi tu ne vois pas dans l'eau qu'ils ne voient pas. Donc les savoir que le. Donc, soudainement. Les requins ont dit, oh, what is this? C'est quoi comme ça? Yeah. C'est Matré. Mangeons un peu sa maison. Moi, vous, je ne crois pas à ces affaires-là. Franchement, non. Les requins la connaissaient déjà que c'est là-bas depuis longtemps. Donc, soudainement. Soudainement. Allô? Pardon, dis-moi une fois, je ne peux pas écouter, pardon. Allô? Oui, quand je marchais dans la rue, il m'a interpellé. Je dois prier pour lui. Donc, indique-lui un peu la maison, il vient. Il est à deux pas d'ici. Je dois bénir l'eau pour lui et je lui donne. Généralement, quand quelqu'un ne me connaît pas, je finis le direct, je t'appelle, papa. Quand quelqu'un ne me connaît pas, moi, il marche dans la rue. Hier, je sortais, je partais au restaurant. Et il y a une rue que je ne suis... Depuis que je suis ici, je suis jamais entré dans la rue, là. Donc hier, quelque chose me dit que... Vous connaissez le quelque chose, là, non? Quand on dit que quelque chose... J'aime les conversations qui commencent par quelque chose m'a dit que... Bonjour. Il veut me voir. Et, ok, fais-le entrer, alors. Merci. Donc le monsieur là, j'entre dans la rue, je commence à marcher. Je cherchais un restaurant, je voulais découvrir autre chose que ce que je mangeais depuis une semaine. Donc ça que j'avance dans la rue. Et quand j'entre de marcher, j'avais mis la musique, j'écoutais. Voilà un monsieur, il se lève. Un vigile, il se lève. Il vient vers moi. Ça, ce sont ses mots. Hein. Les gens sont très spirituels au Bénin. Les gens sont très spirituels au Bénin. Vraiment, je suis ébahi par la spiritualité des gens du Bénin. Que ce soit les traditionnalistes, que ce soit les chrétiens, ils sont très spirituels. Il me voit, il se lève, il dit, j'ai vu une étoile venir. Et je ne sais pas, mais mes guides m'ont dit de vous parler. Je le regarde, je ris. Juste pour voir. Ouais, ok. Bonjour mon frère. Pardon, tu vas attendre un peu. Elle va te faire asseoir là-bas. Ok, je finis ici, je suis en train de faire une vidéo pour les gens. Et après ça, je viens. Merci.
Donc, il me dit que mes guides m'ont dit de te parler. On est là dans la rue, ça fait à peine 30 secondes qu'on s'est rencontrés. Et là, il veut s'agenouiller pour toucher mes pieds. Non, franchement, au Cameroun, tu ne peux pas voir ça. Les gens au Cameroun sont trop arrogants. Les Camerounais sont trop arrogants. Myriel, j'espère que tu es partie prier pour les malades, comme on t'a dit. Et là, il commence. Quand il était devant moi, j'attendais. Je lui demande. Je lui ai demandé qu'on était où, parce que je ne connaissais pas là où on était. Donc, on est dans un quartier. La maison du président du Bénin n'est pas très loin. Et la maison de sa fille n'est pas très loin. Et son fils est en train de construire ici. Donc, ceux qui sont à Cotonou peuvent connaître. Donc, il m'explique. Il me dit que bon, ça, c'est l'endroit des douanes et tout ça là. Après, ses guides commencent à parler. J'ai commencé à lui parler. Je me rappelle parce que je lui ai dit. Après, je m'arrête. En fait, c'était un soldat. Je vous ai dit que beaucoup d'agents de lumière qui étaient enchaînés, qui étaient dans des chemins très longs, dans des tunnels presque interminables. La libération est en train de se passer. La rencontre s'est faite hier à 20h. Et là, je lui ai dit, bon, quand tu finis ton service à 7h, il faut venir. Je vais te... On va montrer deux choses que je dois lui donner. Donc, je vais lui donner ça et puis il va partir. Et là, effectivement, il est 8h30, il est venu au rendez-vous. Donc, c'est bien. Vous devez savoir reconnaître les circonstances. Vous devez savoir je vous dis toujours ici là que j'ai des endroits où j'arrive. Si tu ne me connais pas, je ne parle pas moi. Regardez comment je suis habillée. Voilà mon haut. Là, en bas, j'ai un pantalon sport. Et quand je me vois en route, il n'y a que ceux qui ont la reconnaissance. Mais j'aime beaucoup prendre la moto. Votre problème, vous n'aimez pas écouter les instructions. Deuxièmement, quand vous arrivez quelque part, vous voulez montrer que vous connaissez. Le roi Charles, on l'a mis sur le trône l'année passée, non? Est-ce que celui qui a mis le roi Charles au roi était plus élevé dans le royaume que le roi Charles? Non. Il y a des choses que pour faire sur toi, c'est une autre personne qui doit faire. Et votre problème, j'allais être un peu grossière, mais on va voir combien de jours ça va tenir. Hier, j'ai dit que je vais être gentil. Votre problème, c'est que vous attendez qu'on prenne la cuillère. On prend le moulinex, on broie la nourriture, on met l'eau, ça devient bien liquide comme la soupe. On prend la cuillère, on met dans ta bouche. Ou bien on prend même la pipette, on met. On dit que ti seulement ça descend. Vous voulez même qu'on fasse l'intraveineuse. Tu te couches, tu tends la main comme ça, là, on met seulement ça entre. Ça ne se passe pas comme ça. Et quand on vous donne un truc qui est un peu difficile à faire, maman, c'est l'arrogance de ça. Ce sont les pasteurs qui courent derrière. Moi, il y a un truc que j'ai dit aux esprits. Moi, là, je ne courrais pas derrière. Vraiment.
J'ai eu de très mauvaises expériences avec les personnes qui sont venues vers moi. Quelqu'un arrive, oui, j'ai tel problème, vraiment, aide-moi, non. Je dis d'accord. Je lève le matin, je demande, c'est comment aujourd'hui ça va? Un de ces quatre, un démon la touche la nuit. Bam! Elle se lève. Tu écris, elle ne répond plus. Elle trouve un petit problème, un petit truc que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Elle s'accroche sur ça. Ça l'offense. Pourquoi elle m'a parlé comme ça? Je lui ai demandé par rapport à tel truc, elle ne m'a pas répondu. J'ai un client là. J'ai un client. Il est en Europe. Je travaille sur lui depuis un an et demi. Bonjour. Salut. Descendez, non. Pourquoi vous restez loin en haut là-bas? Souvent, pourquoi je lui parle? Il doit me chercher même pendant un mois. Il se lève chaque jour. Bonjour, grande reine. Il m'appelle. Grande reine. Bonjour, grande reine. J'ai tel truc. Et c'est quelqu'un qui paye. Si il doit lui parler, il paye. Si c'est l'interprétation de rêve, il paye. Si c'est... Peu importe. Mais il a compris que ce n'est même pas parce qu'il paye. Il y a les jours où... Parfois, pour rester 3 semaines, je ne réponds pas à ses messages. Et là... Me lève un matin, 6h, on me dit appelle-le. Quelqu'un m'a dit, ah, je lui ai écrit depuis 2 jours. Vous ne connaissez pas les batailles dans lesquelles je suis. Ce que je fais là, trouver 2 personnes sur la toile qui fait. Donnez-moi leur page, je vais les suivre aussi. Je garde le business de beaucoup de personnes, ça ne leur plaît pas. Donc si vous venez derrière moi, vous, je ne peux pas. I cannot supplier you. I just cannot supplier you. I can't beg you. Ok? I'm not hard. But I can't beg you. C'est un chemin que tu dois être sûr que je veux. Si tu ne veux pas, comment dire, si tu veux pas, si tu ne veux pas, laisse. Je vous dis souvent que si ce que je dis ne te plaît pas, désabonne-toi. Dans la paix du Christ, désabonne-toi. Parce que je suis censé vous réveiller. Je ne peux pas vous réveiller avec la douceur. Vous avez trop de pages ici en ligne qui vous dit « Oui, fais comme ça. Oui, ça va aller. Oh, ça va aller. Oui. » Matthieu 11, verset 12. Le royaume des cieux souffre de violence. Et ce sont les violents qui prennent par la force. J'ai regardé une fois le jour où je suis. Je me suis comprise quand j'ai lu le passage où une femme vient pour demander de l'aide à Jésus. Aide-moi, ma fille, aide. Il la regarde. Je suis appelée pour les juifs. Je ne suis pas moi appelée pour les autres. On ne prend pas la nourriture des enfants, on donne aux chiens. Oh! Imagine, tu viens me voir. Je commence à te dire que je ne suis pas appelée pour les chiens. Ça sera sur les réseaux sociaux. Reine Lumière m'a dit que je suis chien. Elle m'a simplifié. Elle m'a minimisé. Quand tu me contactes, même quand tu me donnes ton argent, il y a des jours j'arrive au bureau comme ça. Mon corps, je sens la bagarre dans mon corps. Après, on me dit, madame, depuis 9 heures, il y a une femme qui attend dehors, pourquoi vous la lavez? Ce sont ces esprits qui sont là-dedans en train de me déranger. Et vous dit, mon corps, finalement, elle arrive à 9h, c'est à 14h que je sors pour la toucher. Et quand elle commence, pam, l'esprit là commence à parler. On l'a dit de ne pas venir ici. Elle me dit, tu fais quoi?
Vous devez avoir les yeux plus profonds. Soyez plus profond que ce que vous ne voyez pour l'instant. Je sais que quand j'étais petite, elle était très capricieuse. J'étais un enfant, le genre d'enfant. Quand il me fâche, mes joues gonflent. Il me fâche. Il veut le yaourt, il veut la bergère. Oh non. Imagine alors, j'ai grandi, j'ai multiplié ça par mille. Hmm? Aïe, quand il me fâchait, tu aimais ma chose, tu touches, je vais faire 3 jours sans te parler. Il a mis mon gâteau, mon croissant, tu vas me toucher. Mm-mm. Il y a des rois qui ne connaissent pas encore qui ils sont. Je parlais avec un ami l'autre jour. Il m'a dit qu'il est arrivé dans une grande congrégation ici au Bénin. Ça fait quelques mois qu'il travaille au Bénin. Il avait tellement de problèmes. Une amie lui a dit, je connais, on l'a amené chez... Ah si, ici là vraiment, c'est des royaumes, hein. c'est autre chose. J'avais une autre vision du Bénin, mais vraiment... C'est un royaume, tu vois la reine, c'est la reine, tu vois le roi, tu vois, c'est vraiment, il y a les sujets, il y a les... Ok, donc, il dit qu'il est arrivé, parce qu'il ne connaissait pas qui il est. Et là, le grand maître vraiment a appelé, donc... Il dit le nombre de personnes qui sont sorties pour venir travailler sur lui. Il était choqué, il dit, mais une petite personne comme moi, j'ai quoi? Je suis qui? Il y en a parmi vous, vous ne savez pas encore qui vous êtes. Et ce n'est pas parce que quelqu'un te voit, il connaît qui tu es. Il y a même des messages que la personne ne peut pas te donner. Tu n'es pas encore prêt à comprendre. Ton esprit n'est pas prêt à saisir. Donc ce n'est pas tout qu'on dit à quelqu'un. Et je vous demande très souvent d'écouter beaucoup mes vidéos avant de chercher à me parler. On se parle comme ça, que ce soit au téléphone ou bien présentiel. Parce qu'il y a beaucoup de choses que si je vous dis, vous n'allez pas comprendre. Il y a des choses que si je vous dis, vous ne comprendrez pas. Le temps passe un peu encore. Et si Dieu t'a amené vers quelqu'un, tu sais que c'est la personne qui est censée t'aider. J'ai compris que les personnes qui sont censées aider les gens, les personnes spirituelles, ont un très mauvais caractère. Je ne crois pas que Jésus était doux tout le temps. Je ne pense pas. Parce que quand tu es comme ça là, venez. Les adultes en venant là, certains ont le couteau, certains ont le poison dans la main, certains ont... Ne confondez pas les choses. Je ne peux pas vous ouvrir ma porte ou venez me voir tous les jours. Non. Je dois protéger ce que Dieu m'a donné. Donc si tu tombes sur quelqu'un, tu sais que Dieu a envoyé la personne ici pour moi. Préserve ton cœur de parler mal de la personne. Préserve ta bouche de tolérer ou de participer
préserve. Quand vous m'écoutez chaque jour comme ça, là, les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Donc, vous faites de la place dans votre environnement pour que mes guides viennent travailler sur vous. Maintenant, s'ils commencent à travailler et que tu te lèves, tu penses que, ah, elle est âgée, elle, you're not fit. Je me rappelle quand la maman allait venir, ses deux enfants. Elle dit, Jésus, mets celui-ci à ta gauche, mets celui-là à ta droite. Jésus dit, est-ce qu'ils peuvent boire la coupe que je peux boire? Est-ce qu'ils peuvent boire? Il ne s'agit pas de vouloir. Il y a des personnes que j'aime tellement. De moi faire ça, il faut qu'elle vienne faire là. Dès qu'elle met la personne ne tient pas 4 jours. Vous êtes vous dit que il y a mes enfants, il y a mes proches collaborateurs et il y a mon mari. Donnez-leur la bière. Vous tenez à côté de moi. Quand tu viens à des guides d'académie, tu tiens un mois. Tu es encore là. Tu n'as pas désisté, tu es parti. Si tu tiens 6 mois, oh non. On va, yeah, il faut que je fasse la cérémonie de graduation. Je vais faire la soutenance de mes employés. Premièrement, d'abord, ta famille à la maison. La majorité de mes employés qui commencent à travailler, soit ils tombent malades, soit leur famille tombe malade. D'abord, voilà ton baptême de la première semaine ou du premier mois. Maladie, pan. On voit, tu vas dire que je suis trop malade depuis que je ne veux même plus. Il n'y a pas de problème. Pas non. Il y a un monsieur qui a commencé à travailler pour nous, ça fait peut-être 2 semaines. Ça fait 3 jours, sa fille et sa femme. Sa femme est tombée malade. Son enfant est tombé malade le même jour. Il dit le boulot que madame, je pars à l'hôpital. Il dit yes, le baptême a commencé. Le baptême a commencé. Maintenant, deuxième étape. Les jalousies des gens autour de toi. Parce que vous savez que toute entreprise, à l'interne, ils ont toujours des... C'est comme la maman, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Parce que tu viens d'arriver au départ, tu penses que ce que tu connais, c'est ce qu'on fait. Maintenant, il y a ce que l'entreprise veut. Je me lève souvent le matin comme ça et dis que telle personne, tu n'as pas fait comme ça, la pénalité. J'ai encore fait quoi? Dès que je prononce le nom d'un de mes employés, avant de répondre lui-même d'abord, il dit que, hey, qu'est-ce qu'elle va me dire encore aujourd'hui? Il ne vous torture pas. Hein. Mais je crois que vous avez dit ça. Au Cameroun, les gens prennent trop les choses à la légère. Ils prennent le travail à la légère. Ils ont les instructions, ils prennent à la légère. Tu mets le formulaire que si tu finis comme ça, fais comme ça. Mets ton rapport ici. Ah, je n'arrive pas à m'adapter. Ce ne sera pas facile. Ça va devenir de plus en plus dur. Vous suivez. Donc, les gens qui pensent que... Non, c'est ça. Vous attendez la belle vie, non? Vous voulez plonger dans les fleurs. Oh, c'est trop bien de travailler ici. Franchement, ouais, vraiment. Non. Non. Vous devez être préparé pour ce qui arrive devant. Dès qu'il y en a parmi vous. Parce que vous avez commencé à me suivre. Juste parce que tu me suis mes vidéos, tu commences à voir les attaques. Parce que tu te connectes, tu dis que oui, ce que la femme se dit, c'est vrai. Mais c'est vrai. Il y a une autre venue dans le rêve, lui dit que.
Je suis plus la femme là. Dans le rêve. Et les familles qui vont dire pourquoi tu la suis. Il y a une qui s'est levée par elle a fait la réunion familiale de leur. Ils ont fait la réunion familiale en. C'était en décembre, je ne sais même pas pourquoi. Et elle s'est levée, elle a commencé à les conseiller, avec les conseils que je donne ici. Elle a commencé à conseiller sa famille. Jusqu'à ce que, à la fin, les oncles, tantes ont commencé à applaudir. Waouh! Quelle sagesse! Sa soeur est jalouse. Hein? C'est les enseignements qu'elle a écouté, une femme en ligne là. Oui, ce sont ses enseignements. Tu crois que ça va? Tu vas aller où avec ça? Elle était choquée. Donc, vous aurez votre dose d'attaque. Et ce n'est pas le moment de riposter. Tu te fortifies d'abord. Parce qu'il y a des personnes que quand tu veux les écouter, écouter leur version, et que tu n'es pas encore solidement ancré dans ce que tu connais, tu vas commencer à douter. Tu viens peut-être d'arriver. Tu commences. Après, tu pars. J'ai eu un employé comme ça au Gabon. Il a fait un mois. L'avant-dernier jour de travail, j'étais au Gabon. Il me dit que son frère veut venir voir le local. Son frère arrive. Quand son frère est arrivé, je partais déjà. Il ne m'a même pas dit que son frère venait voir. Je l'ai seulement vu devant la porte. Et là, il me dit, ah, c'est mon frère. Son frère arrive, il voit ce que je fais. Le lendemain, le gars a démissionné. Le lendemain, le gars a démissionné. Vous devez avoir un esprit qui est fort, décisif, c'est-à-dire non influençable. Un esprit concentré, qu'on ne distrait pas facilement. Un esprit qu'on ne décourage pas. Répétez-moi ce que je vous ai dit. Ton esprit doit être, premièrement, fort. Les maladies, oh, les tempêtes, oh, rupture avec ton gars, oh, maladie de ton enfant. Oh. Si tu as dit que je vais faire ça, tu fais. Deuxièmement, quelqu'un qu'on n'influence pas facilement. Quand un homme peut-être dit que c'est elle qui veut épouser. Même si tu viens de dire que sa femme a fait n'importe quoi. Il dit que j'ai dit que c'était elle. Tu n'as pas suivi. Pas le genre qu'on te parle. Dès que les gens la partent. Chérie, vraiment, il faut qu'on fasse une pause. Vraiment, je suis plus sûre que c'est toi qui veux. Donc, fort. Non décourageable. Et quelqu'un aussi que quand tu commences ta chose, tu es tellement, tu es focus. Focus. On ne peut pas regarder à gauche. Ni à droite. La Bible a dit dans Jacques chapitre 1, verset 5, 6, 7. Quand tu demandes quelque chose, crois que tu as reçu. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Sinon, tu seras comme les flots de la mer. Qui aussi? Je veux pas. Je suis la femme si je ne la suis pas. Ah, c'est qu'elle dit, c'est vrai. Non, elle exagère. Non, choisis un camp, tu pars. On ne peut pas te distraire facilement. On ne peut pas t'influencer facilement. On ne te décourage pas facilement. Et surtout un esprit qui est disposé à écouter. Parce que c'est par là qu'on te corrigera. Et que quel que soit ce qu'on te dit de l'extérieur, que ça corresponde à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que vous devez très souvent vous asseoir, vous écouter. Listen. Ce que quelqu'un va te dire dans la journée qui dit que c'est mon message qu'on a dit qu'il te dise là. Ton esprit t'a dit ça le matin.
Quand t'as déjà dit ça le matin. Ton esprit doit être. La vie va venir te tester. La vie va bien te tester. Avant qu'on te donne la richesse que tu dis que tu veux. Avant qu'on te donne. Tu penses que tu mérites 100 000 followers. Tu penses que tu mérites 100 millions de francs, c'est pas. On va d'abord te tester. On va te tester. Cherchez un peu comment est-ce qu'on teste les avions. On sait que l'avion, c'est quelque chose qui va porter 50, 100, 700 personnes. On soumet une pression qui est supérieure à celle de l'atmosphère en haut là-bas. Deux, trois fois plus intense. C'est comme ça qu'on teste l'avion. On met les secousses, on met... On voit. Donc le jour où on dit que check, l'avion s'y est bon. La pression qu'il a subie au quotidien, on lui a fait subir sa foi de choix. On a vu s'il pouvait tenir. Avant qu'on ne te donne un ministère, des personnes, c'est comme l'avion qu'on teste. On te soumet à une pression qui est 3-4 fois plus intense que celle que tu subiras au quotidien. On voit si tu tiens. Si tu tiens, on te met le check. On ne saute pas les étapes dans le spirituel. Parce qu'on sait qu'après, là, tu vas porter dans ton ventre 100 personnes, 700 personnes. On ne peut pas s'amuser. Donc, dis que je suis choisi, je suis appelé. Ce n'est pas le bub. Tu dois rester comme ça là. Tu es là comme ça là. On te voit au marché, tu vends la tomate. Mais ton esprit, le spirit que tu es là, mof, c'est 5 lions. Si tu rugis, hein. Ah, mais. La femme qui vend les tomates ici, je la simplifie tous les jours. Quand tu es prêt, qu'est-ce qui se passe? On te prend, on t'accélère. Piouf! Parce que tu avais tenu. Tu dis que pas d'enfant, pas de mari. La vie que les hommes ont prévu pour toi. Pourquoi tu leur demandes pas ce qu'ils ont prévu pour toi? Il faut penser que la réussite, c'est d'avoir la maison. La réussite. Pour moi, la réussite, c'est que tu aides. Bonjour Laura. Que tu aides à avancer l'humanité.
Ok. Moi, je vais aller manger. Je vis bien et moi, je vais pas manger. Je vais pas prendre mon petit déjeuner. Make me sweat. Make me water. On est toujours préparé pour partir. On parle premier. N'oubliez pas. Good morning, sis. I hope you're fine. Whenever you're ready, you let me know so we can do the transfer. Thank you. On va voir si je peux lire quelques personnes. Si tu saignes, tu ne fais pas le pont. Quand vous venez au Cameroun, dites-moi en avance, s'il vous plaît. Merci d'avoir partagé ton rêve avec moi, ma chérie. C'est super. Hey. Franchement. Oh, tu es en Cameroun. J'ai bien envie de venir là-bas. J'espère que on doit sortir de le 1er avril. Je pense qu'on va même introduire la prison de Douala. Donc, j'espère que tu as donné aussi. Tu as participé toi-même. Comme tu as vu dans ton rêve. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui vont venir pour toi. Quand tu vas donner pour les œuvres de caritatives que je fais. Ouais. Il faut apprendre à obéir quand vous voyez des choses, quand vous montez des choses dans le rêve ou bien quand vous suivez un peu par intuition. Ok. Passe une bonne journée. Bisous. Oh, cette femme s'y m'aime beaucoup. Hein. Elle a rêvé qu'elle est venue dans mon orphelinat. Vous là même, vous m'aimez beaucoup. Hein. Vous savez que vous aimez aussi, non? Je n'interprète pas vos rêves. C'est payant. Venez raconter vos rêves ici, là, vous allez venir vous raconter, vous interprétez ça. Comment les... Can you lose your mind? On va voir s'il permet de faire les lectures aujourd'hui. C'est de bon on fire. Oh, voilà. Je vois pourquoi l'esprit de l'eau là aujourd'hui, ici comme ça là.
Water. Bon. Salut ma chérie. Tu as payé pour ta lecture de cartes. On va voir ce qu'ils ont pour toi. Si vous avez payé, vous êtes là, s'il vous plaît. Rappelez-nous, on vous met dans la liste. Okay? Salut Hortense. Je te lis. Voilà. Il y a beaucoup de vengeance qu'on va mettre sur tes ennemis. Okay? Tu es une personne très précieuse. Et je crois que ça te faisait douter un peu de toi. C'est toi qui vas briser les malédictions de ta famille. C'est toi qui vas briser. Tu as des dons, tu as des pouvoirs. Donc tu es un peu le genre de personne choisie que à cause de toi on ferait du bien aux gens ou bien à cause de toi on peut faire du mal à quelqu'un quoi. Oui, il faut accepter ta destinée, accepte tes dons. C'est un peu comme si tu as pendant un moment tu as douté de toi parce que tu as cru que bon, je suis comme les autres personnes. Si on est de la même famille, ça veut dire que tu es une personne sélectionnée, élue. Voilà. Tu dois aussi te calmer, ne pas trop faire de problèmes pour l'instant. Ne t'affole pas, voilà. On me dit de ne pas t'affoler parce que ils vont essayer de te déstabiliser. Ta vengeance est en route, voilà. Donc, calme-toi. Ce que tu as demandé aussi, c'est en route. Et ton ADN est en train de changer dans le sens où tu es en pleine activation. Oh my God, je parle d'activation et on remonte aussi. Ton ADN est en activation. Allô papa, je suis en direct, c'est pour ça qu'il n'y a pas de décroché depuis. Tu comprends? Oui, à tout de suite. Tu es aussi un ange terrestre. Tu as beaucoup de personnes que tu dois faire du bien. Tu dois leur faire du bien. Et le bien que tu vas leur faire va t'activer beaucoup. Donc ne reste pas trop dans ton coin. Tu dois aider des gens. Il y a les anges qui te protègent et que toi aussi, tu vas être guidé. Ils vont te guider pour que tu aies aidé des gens. Voilà. Donc, je vois beaucoup d'incantations qu'on a faites contre toi. Peut-être que je vois, peut-être quand tu as voyagé, ça n'a pas plu à certaines personnes. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont rendu les choses difficiles quand tu es arrivé là-bas. Mais tes œuvres caritatives vont t'ouvrir le chemin. Oui. Le 1er avril, qu'on doit aller aider les gens là, je vous en prie, tous les dons que vous allez faire, parlez dessus. Parlez. C'est vraiment, c'est un peu comme si on va augmenter les prisons dessus. On va faire prison. Et généralement, on fait seulement en fait. Mais on va augmenter. Voilà. Donc, tu es aussi une personne que tu es en pleine renaissance actuellement. C'est un peu comme si on est en train de changer ton énergie. Oui, et tu vas te rappeler de tes anciennes vies. Beaucoup de messages aussi, on te les donnera dans les rêves maintenant. Oui, donc tu es une personne élue. N'oublie pas ça, parce que je crois que tu as tendance à oublier. Tu as beaucoup de challenges et ça te fait oublier. Donc, c'était un rappel. Voilà. Il faut prendre... Demande un lavage des envoûtements. Et tu prends le kit des blocages. Oui. S'il te plaît, tu peux voir la servante. Tu commandes le petit déjeuner. Merci. Bon, on prend la deuxième personne. Salut ma chérie. Tu as la chance. Tu as payé hier. Bon, oui, vous pouvez faire les dons par OM. Par OM, c'est le 6 93 50 22 66. Allô? Que doit le Bénin prendre le pouvoir? Tu ne connais pas d'où mon pouvoir vient, ma chérie. T'as suivi. Je suis un être d'en haut.
Donc, tu es un agent de lumière. Et tu es censé être connu. Tu es censé changer même les choses là-bas au Tchad. Bon, il faut prendre prête attention à tes rêves. Tu sens comment il y a des voix qui s'activent beaucoup dans tes rêves ces derniers jours. Et tu vois aussi beaucoup de chiffres répétitifs comme 12h12, 5h05, des trucs comme ça. Oui. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes de l'eau pour lui. Et dans ma trousse, il y a de l'huile. Mon huile que je mets souvent sur mon visage là. Je dois lui laver les pieds. Et lui oindre les pieds. Pardon. Donc j'ai besoin d'une bouteille de Tanguy d'eau et mon huile là. Merci. Ton troisième œil est en train de s'ouvrir, ma chérie, Rima. Bon, je vois beaucoup de vengeance sur tes ennemis. Mais tu as trop de bon cœur. C'est comme s'ils ont tendance à partir et revenir. Donc, on me dit de te dire de ne pas... ne succombe plus. Tu dois aussi travailler fidèlement sur toi. Ton manque de concentration ou de discipline t'affecte. Oui. Et tu es un être très spirituel. Tu es un être très spirituel. Et tu es censé aussi beaucoup voyager. Oui. Donc, approfondis ton travail spirituel. Ça, on montre, plusieurs cartes m'ont montré que tu n'es pas... Tu es spirituel, mais tu ne travailles pas. La spiritualité est active, ce n'est pas passif. Tu ne dis pas seulement que oui, je connais déjà ça, j'ai fait ça fait un an. Et il y a aussi beaucoup de feuilles mortes qui vont tomber. Beaucoup de personnes ont quitté de ta vie. Demande un rituel de... Pour couper les cordes, c'est 10 600. Un rituel de détachement, c'est 30 000. Et un lavage. Le lavage, c'est 50 000. Voilà, tu fais les trois là. Et tu prends, on t'envoie là-bas le kit fondation pour commencer. Après, tu prendras... Il faut insister pour avoir mes formations. J'ai les formations que j'ai enregistrées, tu les écoutes. Tu dis que les Béninois sont forts. Tu sais même qui je suis. Si tu me suis depuis un moment, je t'en prie de te désabonner. Suivi. Il faut aller prendre le pouvoir au Bénin. C'est comme ça que vous faites. Quand vos guides vous parlent, vous ne comprenez pas. La consultation. C'est la lecture de cartes que je fais. Ok, je vous lis les cartes. Ça, c'est 20 000. Les Béninois sont forts. Les Béninois viennent prendre le pouvoir chez moi, ma chérie. Tu comprends ça? Il y a pouvoir et pouvoir. Hein. Les Béninois sont forts. Eh, Seigneur. Mettez-la en VIP. Elle doit prendre la formation spirituelle après. Je lui ai donné les produits qu'elle doit acheter. Après, ça doit faire la formation spirituelle. Elle doit être suivie, cette dame. Victorine. Salut, ma chérie. Je vois une prison. Tu es dans une prison. C'est pas toi qui as cherché, mais... C'est plus pas ta famille, voilà. Ça fait que tu manques beaucoup de confiance en toi. Et tu as des pouvoirs, tu as des capacités. Genre, tu es une femme que si tu le voulais, tu pourrais gagner 500 000 le mois. Mais tu es sûrement dans peut-être 100, 200 000. Tu pourrais avoir même 1 million le mois. Oui. L'huile qui a la pipette là, il y a le tube pour prendre. C'est une huile essentielle.
Hi dear, I'll be done in about 45 minutes. I'm doing a live right now, so 45 minutes is good for me. Ok, je t'ai parlé de ta prison, le manque de confiance en toi. Ok, et tu as aussi beaucoup de personnes que tu veux aider. Mais tu te dis, ah, je n'ai pas l'argent pour les aider. Dis, aide avec ce que tu peux, même si c'est seulement ta présence. Tu es une personne qui est censée aider. Tu es une sorte d'ange terrestre. Malheureusement, tu as aussi, je vois beaucoup de rejets que tu as subi dans la famille. Tu es, voilà, tu es en plein éveil. C'est pour ça aussi que tu es tombé sur ma page. Et tu es une personne qui est appelée. Tu es appelée. C'est pas, je rappelle que ce n'est pas tous ceux qui sont appelés qui vont répondre. C'est ça que je m'a dit que ah, tout le monde est appelé. Non, ce n'est pas tout le monde qui est appelé qui répond. Il y en a qui choisissent que non, je ne veux pas. Voilà, tu es appelé. Tu dois aussi passer beaucoup de temps seul. Médite beaucoup le matin. Tu t'assois, tu réfléchis, tu notes. Tu notes tes rêves. Oui. Et tu es en pleine activation. Donc, genre, tu auras l'impression qu'il faut que je fasse le travail, c'est que je poursuive. Voilà, approfondis ta spiritualité. Fais ton travail. Maintenant, tu es aussi protégé, il faut savoir ça. Donc, même les attaques que tu avais avant, ça durait longtemps. Maintenant, là, ça va vite passer. Quoi. Voilà. Les anges te protègent énormément. Tu dois aider. Je ne sais pas si c'est orphelinat ou bien. Beaucoup de personnes, beaucoup de choisis ne comprennent pas que leur libération se trouve dans les dons. Ok? Voilà. Tu as les dons de guérison aussi. Mais ça, c'est après que ça va s'ouvrir encore plus. Donc, première étape, travaille sur toi, fais les dons. Et demande l'activation. Voilà. Ok. Prends. Pour prendre le kit des envoûtements. Commence par ça, pour libérer un peu ton ventre. Oui. Et tu demandes un lavage de déblocage. Bonjour ma chérie, tu as demandé la lecture. Si tu as payé, tu écris, on va te remettre dans la liste. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour ma chérie, donc je vois beaucoup de culpabilité. Tu culpabilises, donc je vois un peu comme si tes dons sont bloqués parce que tu n'arrives pas à t'accepter. Et cette culpabilité, ça te fait... Ça te ronge en fait. Oui. Ça te fait avoir les remords. Des choses comme ça. Par contre, tu es protégé, donc... Et tu as aussi beaucoup d'opportunités qui sont en train de venir à toi. Donc ne te ferme pas. Je vois un peu comme si ta culpabilité fait que ton esprit est fermé. Et tu rejettes tes opportunités en fait. Et je vois aussi un esprit de rébellion. C'est un peu comme si tu es un peu rebelle. Je ne sais pas si on t'a appelé déjà, tu as refusé l'appel. Mais les ancêtres, tu les connais, non? Ils ne courent pas avec toi. Bon, tu as aussi beaucoup de membres de ta famille qui ont complété contre toi. Donc, genre, vraiment, ils s'assis. Ils sont assis, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose contre toi. Mais comme toi, tu es la personne qui a été choisie pour les libérer. On me dit, t'es dit de ne pas... ce n'est pas... Tu n'exagères pas si tu penses que c'est toi qui dois libérer ta famille. Et ça va commencer par ta propre libération. Oui, donc on a, c'est un peu comme si on a bloqué ton voyage. Oui, je vois ça. Je vais vous sortir une... Je vais faire pour avril, si. Il y a un nouveau produit que je vais faire. Je vais vous sortir. Il y aura une eau avec une huile. Ce sera pour les bains des pieds. Oui, parce que je dois avoir les instructions. Donc demande ça. Je crois que tu es au Cameroun. Tu pourras demander ça. Une eau et une huile. Oui, vous devez faire pour avril, si vous devez faire le bain des pieds. Donc, préparez déjà en avance, prenez déjà en avance, parce qu'on fera ça à partir de la semaine du premier. Voilà. Donc, tu vas devenir riche. Je vois beaucoup d'argent qui arrive. Mais pour ça, tu vas passer une période où tu vas un peu travailler sur toi. Et tu vas te libérer. Tu vas te libérer. Pardonne-toi. Maintenant, ton esprit aussi est très fort. Tu es une personne qui n'abandonne pas facilement. Donc, ça, c'est bien. Ils me disent de te dire de féliciter. Que félicitations. Donc, il y a l'eau dont je parle là. Si tu peux venir physiquement pour que je te lave, je crois que le premier, je vais faire les lavages à doigts là. Si tu peux venir le premier, tu viens. Sinon, tu prends un lavage à distance. Demande un lavage des enfants. Oui, et tu prendras un kit aussi en même temps. Tu prends un kit de déblocage.
pour les dons, non. Les dons dans les orphelinats. S'il te plaît, alors, moi, je trouve un moyen pour me mettre. Je sache. Quand est-ce que. Le rêve m'a dit tellement clair. Ah, je me suis réveillé, je dis, ouais. Je croyais que c'était la réalité, que je te voyais en direct. Ok, Marie, bonne journée à toi. Bisous, bisous. Mettez la dame ici dans le groupe des personnes qui vont aller faire les dons le premier. Elle veut participer. Mettez-la dans le groupe. Bonjour, Chan. A demandé lecture. Ok. Tu vas porter les bracelets de cristal, collier. Tu dois aussi nettoyer la tombe. Oh my goodness. Je lui dis nettoie la tombe des ancêtres et c'est la carte que je tire. Nettoie la tombe au village. Comme c'est les choses qui te disent de faire depuis que tu n'as pas fait. Va nettoyer la tombe des ancêtres. Oui. Tu dois participer aux œuvres caritatives qu'on doit faire le premier là. Et demande aux esprits de te... Tu as la capacité de parler aux esprits, mais tu ne le fais pas. Et ils vont aussi activer ton pouvoir de guérison. Mm-hmm. Il va falloir l'amour de toi. Tu ne t'aimes pas assez. J'ai l'impression que tu ne t'aimes pas assez. Donc, le dialogue que tu as envers toi-même est très difficile. C'est très dur. Tu es dur envers toi. Oui, donc ils veulent que tu adoucisses déjà ça. Et tu vois l'argent qui arrive aussi. Ton éveil, tu es en pleine activation. Oui, tu es connecté à l'ancienne Égypte aussi. Donc si tu peux, pour l'Égypte, je vais faire comment? Il faudra que tu fasses un voyage en Égypte avant de mourir. Hein. Il y a aussi beaucoup d'attaques mentales que tu vas recevoir. Ces attaques-là, c'est pour te tester en fait. Oui. Généralement, les personnes qui fassent ça, les nuits noires de l'âme, c'est un peu comme le dernier test avant que tu ne t'élèves spirituellement. Oui. Donc, il y a une eau pour les pieds, là. Demande ça pour laver tes pieds, ou un de tes pieds. Et il faut prendre le lavage du mois de mai, d'avril qu'on va faire, là. Pour les kits, si tu n'as pas encore fait de kit, prends le kit. Prends un bâton de commandement. Et tu prends le kit fondation, oui, pour briser les malédictions familiales. Salut Salomé, oh tu es douce et belle. Comment tu es belle? Le kit, c'est 70 000 au Cameroun. Salomé, bonjour. Tu es très jolie. On me dit que ta beauté est rafraîchissante. Et ta beauté aussi réveille. Je vois beaucoup de vengeance sur les personnes qui te veulent du mal. Les vengeances arrivent. Mon frère, tu peux venir? Monsieur! Je lise le monsieur là. Pardon, demande au monsieur là de venir. Oui, c'est ça, c'est cette boîte là. Et tu viens avec de ce que je dois travailler sur lui là, s'il te plaît. Il y a beaucoup de vengeance que je vois en train de mettre sur tes vengeances sur toi actuellement. Donc les personnes qui t'ont fait du mal en fait, je veux dire. Et je vois tes anges sont très violents. Donc si quelqu'un t'a fait du mal, ne réponds même pas, ne parle même pas. Oui.
Et tu es en plein éveil aussi. Porte les objets spirituels sur toi. On me montre que tu es spirituel, mais c'est un peu comme si tu te caches. Les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas voir ou savoir que tu es spirituel. Tu dois aussi apprendre. Apprendre comment manipuler tes pouvoirs. Parle à tes guides. Et tu es aussi dans une période où tu vas guérir. Tu vas guérir. Tu vois l'enseignement, tu dois apprendre. C'est comme si on doit te former. Et ton vêtement doit changer, ma chérie. Tu es très artificielle pour le moment. Il faut mettre des coris sur tes cheveux et tes vêtements. Tu es en pleine renaissance. Donc quelqu'un qui te voit aujourd'hui doit te voir dans quelques mois. Il se dit, waouh, quelque chose a changé sur elle. Oui, parce que tu as une beauté de déesse, mais ça ne peut pas, elle ne peut pas agir. Tu n'es pas. Tu n'as pas dit. C'est là, mais tu n'utilises pas. Tu n'es, ce n'est pas activé. Voilà. Il faut prendre un lavage. Demande un lavage. Un lavage de fondation et un lavage des envoûtements. Tu vas faire au moins deux travaux sur toi. Cette dame-ci là, il faut. Il faut la suivre. Elle doit prendre un kit. Un kit fondation. Son énergie, elle a appelé, mais elle est très. Son énergie est très brouillée. Très, très, très brouillée. Donc. Faux marabout. Ok. Ok. J'ai dit qu'il n'insultait plus les gens. Il n'y a rien à dire, je ne sais pas. Make me sweat. Make me water. Moi, je les reconnais juste par leurs fruits, c'est tout. Make me sweat. Bonjour Odile, bonjour Odile. Tes rêves vont être de plus en plus clairs ces derniers jours. Tu dois passer un peu de temps seul. Oui, médite beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui t'ont dit dans les rêves, tu n'as pas écouté. Et dans le. Ça va revenir quand tu vas rester seul pour méditer. Voilà. Et je vois un peu d'inquiétude financièrement. T'inquiète pas. Waouh. Ça sort un peu des blocages qui ont été envoyés. Tu es une personne qui est censée être connue, chérie. Mm-hmm. Tu as une énergie qui attire. Les gens aiment venir vers toi. Ah, d'ailleurs, je vois que tu es très belle. Mais tu ne te connais pas encore. Je crois que ta famille a voulu utiliser ça contre toi. Mm-hmm. Passe beaucoup de temps seul. Ils insistent là-dessus. Et ne t'inquiète pas. Oh, je ne suis pas encore. Waouh, tu es une reine. Il y a vraiment une couronne sur toi. Si tu peux, tu achètes. Oh my goodness. Tu es haut placé dans le monde spirituel. Waouh. Et tu es une ancienne âme. Dans tes anciennes vies, tu avais beaucoup de pouvoir. C'est pour ça que tu n'arrives pas à. Quelqu'un te parle de pauvreté, pauvreté. Ça ne coule pas avec toi. Parce que tu sais pas, il y a un truc dans toi qui sait que moi, je ne suis pas fait pour être pauvre. Like, you know, that's it. Voilà. Si tu peux, tu viens me voir à Douala et tu me rappelles que c'était toi. Je dois te mettre une couronne sur la tête. Cette dame doit faire un couronnement. Donc, vous lui demandez 40 000. Elle doit venir me voir début avril. Si elle ne peut pas, elle programme pour plus tard. Et elle doit prendre aussi un lavage. Voilà. Et un kit déblocage. Salut Marlène, ça va? Marlène.
Tu as beaucoup de choses que Dieu veut que tu fasses. Il y a beaucoup de personnes que tu es censée aider, Marlène. Je crois peut-être que tu traverses une période où c'est un peu difficile financièrement. Pendant cette période de test, c'est là que tu écoutes la voix. C'est là que tu te connectes à l'heure. Supposons que tu te lèves le matin, tu n'as pas de quoi manger. Et on t'amène quelque part, à 10 h, tu as de quoi manger. Donc, ils sont en train de calibrer tes oreilles pour que tu écoutes. Et ils s'assurent aussi que tu développes un esprit qui n'abandonne pas. Tu as fait un salaka. Tu es aussi une personne que dans tes pouvoirs, il y a la capacité de chasser les démons. Et tu as des personnes que tu as appelées à délivrer. Tu es aussi celle qui va faire la paix. Mais pour cette paix-là, il faut que tu t'armes beaucoup. Tu as le don de la foi. Et tu dois acheter les objets spirituels comme les bracelets, œil de tigre et tout ça. Tu dois aussi nettoyer ta maison avec l'encens. Il arrive. Oupsi, il arrive. Tenez-moi. Tu veux t'asseoir là? Tu peux m'attendre, je vais chercher ce que je veux utiliser.
Faut mettre ton nom ici, là. Donc là, je vais voir ton nom pour toi. Ton nom, oui. Nom et prénom, oui. Ça finit. Merci. Ok. Tu as de quoi enregistrer? Je vais parler de toi. Il faut que tu... Si tu vas enregistrer, tu me donnes. Tu as échappé à la mort plusieurs fois. C'est des personnes qui ont lancé. Tu as beaucoup d'ennemis qui ont lancé des flèches. Je crois que j'ai vu ça hier pour les flèches. Mais certaines de ces flèches étaient censées te tuer carrément. Et tu es celui, dans ta famille, tu es celui qui est censé briser les malédictions. D'où ta charge. C'est comme une sorte de mission que tu as pris. Et avec ton l'endroit où tu as grandi, c'était un endroit très pieux. Donc c'est là-bas que ta connexion avec Jésus est vraiment a été approfondie. Donc tu portes son sceau. Donc dans beaucoup de choses que tu fais, tu as toujours le maître devant. Sa bannière va beaucoup te protéger. Donc beaucoup d'attaques mentales. Donc, ces attaques mentales, ça faisait partie de ta formation. Et en même temps aussi, c'est un peu comme si le Seigneur a laissé que tu entres dans la cage des serpents pour voir, pour que l'antipoison qui est dans ton corps se développe. Ça, c'est l'image qu'on me donne. Et tu as aussi été victime de beaucoup de jalousie, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça t'a épuisé, il y a beaucoup de fatigue. Tu es aussi quelqu'un de très créatif. Et tu as les dons de guérison dans les mains. Tu es censé parler. À un moment, tu es censé parler sur les réseaux sociaux. Donner des messages et des personnes viendront de plusieurs endroits. Maintenant, tu as aussi beaucoup de... Tu dois guérir. Ton âme doit guérir parce que les douleurs d'enfance sont un peu aussi en train de bloquer ton âme. Maintenant, ce sont tes dons spirituels qui sont censés te donner plus d'argent que ce que tu fais actuellement. Mais tu n'as pas encore commencé à les utiliser. Oui, maintenant après je vois la richesse. Tu es aussi quelqu'un de l'eau. Tu es affilié à l'eau. Donc il ne faut pas que tu négliges cet aspect-là. Peut-être c'est comme si tu honores partout, mais tu ne les honores pas assez. Tes ancêtres de l'eau. Voilà. Tiens. Je vais maintenant faire ce que je t'ai dit hier que je devais faire. Avec l'eau. Ésaïe 10, verset 27.
Ok, la Bible dit, en ce jour, Seigneur, je demande ta présence, éternel des armées, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde, Jéhovah Shalom, je demande ta paix dans cet espace. Je viens couvrir cet environnement de ton énergie, de ton esprit, Seigneur. J'envoie les anges pour qu'ils puissent protéger cette atmosphère. Je viens mettre, encadrer cette atmosphère. Et je protège cet espace contre toute attaque. Seigneur, je demande que tu puisses ouvrir les dons de ton Fils. Tu ouvres sa puissance. Selon ce passage, Ésaïe 10, verset 27, « En ce jour, le jour c'est aujourd'hui, je viens ôter tout fardeau qu'il a sur ses épaules, tout joug qu'il a sur son cou. Et je déclare que par cette huile, ça va faire éclater tout joug qu'il avait sur lui. Je déclare que cette eau, je la bénis. Je déclare que tu représentes maintenant la présence, la puissance et le sang de Jésus-Christ pour enlever tout fardeau, tout joug et toute attache maléfique sur sa vie. Selon Ésaïe 60, je déclare que sa lumière est arrivée, Seigneur. Je déclare qu'il se lève à partir d'aujourd'hui et que ta gloire brille sur lui, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je débloque les quatre points cardinaux. Je débloque la puissance du soleil, la puissance de la lune, pour qu'elle lui donne des bénédictions qui sont les siennes, Père. Quand tu as créé le ciel et la terre, tu as dit que nous dominons sur les astres. Donc, toute puissance de l'ennemi qui a utilisé le soleil pour faire du mal à ton fils ici présent, je viens annuler. Seigneur, je viens le couvrir de tes plumes. Je déclare qu'il se lève et il est éclairé par ta lumière, Père, que tu as envoyée sur lui. Peu importe les ténèbres qu'il a autour de lui, dans sa famille, dans sa vie, je déclare que ta gloire apparaît sur lui. Je déclare que des nations marchent au rayon de sa clarté, Père très saint. Seigneur, j'ouvre ses yeux spirituels. Donc, il faut que tu peux te mettre par ici. J'ai besoin de... Voilà. On va toucher tes yeux. Seigneur, je bénis ses yeux. Comme les yeux. J'ouvre tes yeux. Et je déclare que tout ce que l'ennemi a mis pour te voiler, que tu ne voies pas où ton argent se trouve, que tu ne voies pas, ou encore que tu ne parles pas, je viens ouvrir ta gorge. Seigneur, je déclare que sa bouche est ouverte. Tu l'as appelé à parler aux nations, Seigneur. Tout ce qu'on a mis dans sa gorge pour le bloquer, je viens enlever maintenant. Je le libère et je commande que l'ange Michael enlève, qu'on t'opère cette nuit et qu'on enlève de ta gorge tout blocage. Seigneur, toute puissance de l'ennemi qui a agi sur lui jusqu'à présent, je viens enlever. Seigneur, par ton sceau que je mets sur lui maintenant, je le remplis de ta puissance, Seigneur. Je viens ouvrir cette porte. J'ai besoin d'avoir... Ouvre un bouton. J'ai besoin d'avoir accès à tes épaules. Voilà. Tes épaules, voilà. Je remets tes galons sur toi. Tout ce qu'on t'a pris, voilà. Je dois ajouter deux fois ici. Voilà. Tout trou dans lequel tu as été déposé, je te sors de là. Toute puissance qui est la tienne, je te la restaure. Ok. Voici ce qui est ta part maintenant. J'appelle les fils de l'étranger à toi qui viennent rebâtir tes murs. Toute personne qui t'a frappé avant. Je déclare à partir d'aujourd'hui, vont revenir demander pardon par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que les trésors des nations entrent. Je déclare à partir d'aujourd'hui, toute nation qui ne va pas le servir va périr. Ta main droite. Seigneur, tu as appelé dans mon ministère, on ne manque pas financièrement. Tout manque financier que cet homme ressent, qui le touche, tout ce qui a percé ses mains, je viens refermer maintenant, Seigneur. Tu es mort à la croix pour nous. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, Père, les finances dont il a besoin pour faire ce que tu lui as dit de faire, ce que tu l'as appelé à faire, que ça vienne à lui. Je déclare à partir d'aujourd'hui qu'il va sucer le lait des nations. Je déclare qu'il va sucer la mamelle des rois, Seigneur. Il saura que tu es éternel. Je te délivre de tout esprit d'impudicité. Tout esprit qui fait que les femmes veulent te détourner. J'enlève à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je mets en lui un esprit fort. Je viens restaurer ta colonne vertébrale. Je déclare que personne ne va se plaindre de toi. Que tes yeux voient. Et quand tu vois tout démon qui veut t'attaquer, que ce soit un démon féminin qui veut t'attaquer, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus exposé à ces démons au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que son argent va être. Mamie Wata qui t'a attaqué pour voler tes finances. Je viens enlever son étreinte sur toi. Je déclare que la dette est payée à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je le libère de toute prison dans laquelle on a déposé.
Je le sors de là. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Et voilà qu'il est libéré. Tu dois aller à l'eau après. Parce que je crois que tu dois avoir eu un truc pas très bon avec un esprit femme de l'eau. Qui n'était pas bon non plus. Et il y avait des chaînes sur toi. Bon. Tu vas aller tout à l'heure. Je vais te dire ce que tu vas déposer. Ce sera un peu des trucs sucrés. Attends, j'ai presque terminé. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière, ta main droite, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière. Ton soleil ne se couchera plus à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas plus avoir... Ton argent vient, ça part, ça vient, ça part. Je coupe ce cycle à partir d'aujourd'hui, je coupe. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, tu es sur une rivière qui ne va jamais sécher. Je déclare que toi, tu te multiplies et tu deviens un millier. Je déclare que tu deviens une nation puissante. Et je déclare que le temps pour que ceci s'accomplisse, c'est maintenant. Donc je coupe les chaînes qui ont été mises sur toi et je déclare maintenant que tu te lèves. Voilà, lève-toi maintenant. Voilà.